2020, je me sentais invincible. Après j'ai perdu une proche, le cancer l'a pris pour cible. Je me sentais comme intouchable, mais la vie c'est qu'un coup de chance. Dis-toi que le temps, bah ça coûte cher. Maintenant je fais le bien, le reste je l'emmerde. Demande à tous mes proches qui m'ont connu en bas. Je me suis juré d'être fort et de plus faire pleurer mes remparts. J'ai redoublé d'efforts, j'ai consolidé les remparts. Je me suis juré d'être fiable et j'ai quitté cette bitch en balle. J'ai arrêté de prévoir les choses car elles ne se passent comme prévu. J'avais vraiment peur de m'engager, de prendre du risque d'être déçu. Maintenant c'est tout l'inverse, vive ma vie en fait. Je vois mieux comment faire, connaître les facettes, briser cœur de pierre. Crois-moi, il est jamais trop tard, le meilleur reste à venir. Je crois vraiment en l'amour, au bonheur, mais dis-moi y'a quoi de mieux. J'ai pas trouvé la bonne façon, c'est Dieu qui donne. Faire ses preuves, marche ou crève, évite tes rêves, n'aie pas de regrets. Mec, faut que tu comprennes en fait que ne pas agir c'est juste trouver des excuses. Face à moi-même, je ressonge à mon vécu. Face à mes rêves, je me dis que je peux en faire plus. Je partageais entre moi et les autres le mal et son désordre, les femmes et le désir, le calme et la démence. J'ai partagé entre mes joies et peines, entre l'amour, la haine, entre l'échec, la femme, je réfléchis pour mieux faire. J'ai donc évolué en quête de volupté. Je me suis dit que tout ira bien mieux et que la nuit va m'apaiser. J'ai l'impression d'être endetté comme une victime de la vendetta. Le mensonge de ma famille et la trahison dans son regard. Malgré tout ça, je ferai jamais justice moi-même. Je pardonne tout le monde, seul Dieu se chargera de leur peine. Combat la haine par l'amour, la tristesse par la fougue. Combat le noir par la foudre, solitude par la foule. Mais qu'on se demande ce qui se passe, qu'on deviendra peut-être. Je veux voir du cœur derrière notre aide, solidarité derrière tous nos faits. Tu comprends mieux pourquoi l'homme fuit notre empathie endolorie. Privé de ses proches, c'est douloureux. Diffuser bien, c'est honorable. On va sortir la tête haute, saisir l'impact de nos faits. On est peut-être en temps de guerre, mais après guerre, y'a tant de paix. Tu vois que tout ça nous arrive, mais ça restera moins meurtri que le parcours d'un exil, ainsi que l'homme et ses dérives. Faut que tu comprennes en fait que ne pas agir, c'est juste trouver des excuses. Face à moi-même, je ressonge à mon vécu. Face à mes rêves, je me dis que je peux en faire plus. Je suis partagé entre moi et les autres. Le mal et son désordre, les femmes et le désir, le calme et la démence. Je suis partagé entre mes joies, mes peines, entre l'amour, la haine, entre l'échec, la fame. Je réfléchis à mieux faire.